Est-ce que Madame Antoniotti, C'est 27, c'est pas l'heure. oui, votre bouteille est recyclée? C'est 27. 25. Oui. N'oubliez pas de couper vos portables, s'il vous plaît, pour pas faire écho. Un, deux, trois. C'est en ligne là? J'allais dire une bêtise, je peux pas. Ouais, je sais. Le conseil municipal s'est féminisé, du coup. On rigole. C'est beaucoup plus léger. Il y a moins d'hormones, il y a moins de testostérone qui circule. On est en ligne là? Oh mince. J'ai 28, moi. Nous sommes prêts. Bien. Donc, je déclare ouvert le conseil municipal du 24 novembre, sous réserve que nous ayons le quorum. Donc, nous allons faire l'appel des membres ici présents. Madame Danielle Antoniotti, Madame Joanne du Sautoir, Monsieur Thierry Laurent, Monsieur Jean-Luc Riault, Madame Muriel Rodier, Madame Nathalie Séré-Darian, Madame Magali Margoton et Madame Michèle Solignac. Merci. Excusez Éric Ambrosino, Noémie Blanchard-Dabrowski, Bernard Julien, Jean Brondeau, Cathy Chavet, Delorme David. Donc, nous assistons à une crise de Covid pour deux de nos élus. Donc, c'est Éric et Julien. Voilà. Donc, il y a des procurations. Cathy a donné procuration à Joanne du Sautoir, c'est bien ça? Éric à Thierry Laurent, Jean Brondeau à Thierry Brouillard-Isnard, Julien à Muriel, je me suis trompé, et David à Jean-Luc, c'est ça? Donc ça veut dire que le quorum de 9, on peut siéger valablement, et donc nous sommes 9 et 4, 13 votants, je me trompe ou pas? C'est ça? 14. 14 votants. Bien. Donc, premier point, adoption de l'ordre du jour. Il faudrait qu'on puisse rajouter deux points. C'est bon, c'est des bricoles. C'est une décision modificative sur le budget de la commune et une délibération à propos du bois sur nos terrains communaux. Voilà. Donc, ça ferait deux délibérations. Si je vous propose de les rajouter dans l'ordre du jour et de voter l'ordre du jour ainsi modifié. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Donc, à la majorité, à l'unanimité, je vous remercie. Alors, le procès-verbal du 15 septembre 2023, tout le monde l'a lu et relu. Pas d'erreur. OK. Donc, si vous êtes d'accord, on va le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer au point 3, délibération concernant des demandes de subvention en lien avec la construction du pôle de santé. Alors, il faut que vous preniez trois documents. 1, 2, 3. Il faut les faire passer. Alors, du coup, 1, 2, 3, c'est trois différents. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. En principe, vous les avez lus attentivement, mais on fait passer. C'est ce que j'ai envoyé, mais je vous ai fait un tirage, puisqu'on fait comme ça. Alors, 1, 2, 3. De ce côté encore un, peut-être. 1, 2, 3.
Est-ce qu'il en faut encore deux? C'est bon. Un, deux, trois. Hop. C'est bon, tout le monde, Jean-Luc, c'est bon? Voilà, donc en gros, aujourd'hui, on va délibérer pour pouvoir demander les subventions sur ce projet de maison médicale. Pourquoi on délibère aujourd'hui? Puisque, en fait, on est soumis à une date butoir pour les dossiers à déposer pour la préfecture qu'on appelle la DETR. La date limite, c'est le 30 novembre. D'habitude, c'est le 15 janvier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de temps d'habitude. Là, on nous a un peu pressé. Du coup, c'est pas plus mal. Comme ça, ça nous permet d'avancer sur ce dossier. Alors, je vais un petit peu résumer la situation. Puis, on va un peu regarder ces documents. Donc, expliquer, puisque c'est enregistré, où on en est. Alors, le premier document qu'on peut regarder, c'est celui qui s'appelle « Présentation de l'opération ». Voilà, la présentation de l'opération. C'est un document qui sera joint aux demandes de subvention. Alors, on va demander subvention à la préfecture, au département, à la région, et on va marquer aussi dans les délibérations, si on vote pour, tout autre organisme susceptible de donner subvention. Hein, on ne va pas se fermer des portes avec des voilà, pour ne pas avoir revoté, parce qu'on est un peu dans le timing, il ne faut pas se... Il ne faut pas se louper. Donc, j'ai fait un préambule dans lequel j'ai rappelé un petit peu où on en est du projet. Donc, c'est un petit peu la démarche qu'on a entreprise. J'ai insisté beaucoup sur le fait qu'on travaille avec le docteur Faubry. Et j'ai insisté beaucoup dans ce document sur le fait que, c'est pour ça que j'ai quand même cité page 2, un extrait, ce qui est en caractère gras sur le document, qui s'appelle « Un projet cohérent sur l'offre de santé territoriale ». J'ai insisté pour que le docteur Faubry nous explique, nous dise un petit peu sa vision en tant que médecin sur la place de ce projet dans l'organisation de santé sur le territoire du Pays des Vences. C'était quand même la condition, puisque je vous rappelle que les médecins sont organisés en maisons de santé pluridisciplinaires multisites. Voilà. Une MSP multisite. Donc, ça veut dire que il peut y avoir des maisons médicales qui sont en lien entre elles dans plusieurs villages de la communauté de communes. Rien n'est incompatible. Voilà. L'idée qu'on a, c'est essayer de conforter nos médecins sur la commune de Saint-Paul, puisqu'on sait à peu près que la patientèle est au moins de 3000 habitants, puisqu'on déborde même sur le Gard, vers le nord du Gard et vers le sud du département. Associé à ça, l'idée, c'est de conforter au moins deux médecins, voire trois médecins. Et en même temps, on travaille sur l'offre de kinés, puisque je vous rappelle qu'avant, nous avions des kinés, ils sont partis. Puis, se sont raccrochés au projet des kinés, qui officient maintenant à Saint-Paul, près de la boulangerie. Ils sont trois, hein, je crois, deux ou trois. Voilà. Et donc, ils sont associés pleinement au projet. Voilà. Voilà un peu l'idée. Donc, on a travaillé sur des plans. Vous les retrouvez dans ce document, tels qu'ils sont pages 4 et 5. Hein, ce n'est pas le détail, mais vous les retrouvez. Bon, le choix que nous avons voté la dernière fois, c'est de construire devant la pharmacie, sur l'espace qui est resté vacant, en étant extrêmement vigilant sur la lisibilité de la pharmacie. Hein, puisque c'est normal, ce bâtiment, quand même... a tout intérêt à être mis en valeur puisque c'est l'ancienne gare marchandises. Donc le projet garderait le quai tel qu'il est conçu actuellement et on aurait un bâtiment qui viendrait en liaison avec la pharmacie actuelle sous forme d'un patio avec une terrasse, voilà, un endroit végétalisé. Sur les surfaces, ma foi, on arrive à une surface totale de 320 mètres carrés, ce qui n'est pas négligeable, hein, 320 mètres carrés. Sur deux étages, avec un rez-de-chaussée et un premier étage, forcément. Le choix a été fait, après concertation, de mettre les médecins au rez-de-chaussée pour qu'ils aient un accès pompier
puisque lorsqu'ils sont de garde le week-end ou dans la semaine, il faut faciliter l'accès pompier. Donc, du coup, il y a un accès facilité sur les cabinets médicaux qui sont au rez-de-chaussée. Le premier étage est totalement occupé par les kinés, avec une salle qu'on appelle une salle, un gymnase de kinés, en fait, une très grande salle, et avec trois box pour trois kinés. Donc, on a levé la difficulté de l'accès au premier étage par un ascenseur, donc ce qui fait qu'il résout tous les problèmes, enfin, qui résout le problème de l'accessibilité pour les personnes qui seraient à mobilité réduite, ou alors en tout cas à mobilité réduite, s'ils sont en cours de traitement par un kiné. Voilà. Voilà sur les surfaces. Donc, c'est pas négligeable, 320 m². Voilà. Et sur la dernière page, page 6, vous avez le coût de l'opération. On va y revenir. Vous avez les travaux. Alors, bien sûr, ça, c'est une... on n'a pas fait l'appel d'offres. Donc, on ne sait pas le coût, s'il ne va pas y avoir une augmentation. Hein, on est bien d'accord. On n'est que sur... Ça s'appelle un APS, hein, ou un APD, un avant-projet sommaire ou définitif. On est sur des sommes dans lesquelles on n'est pas sûr des chiffres encore à ce jour. Mais bon, pour les financeurs, il leur faut des chiffres. Si on n'a pas de chiffres, on ne peut pas avancer. Donc, vous avez la partie travaux, la partie frais d'opération. Ça nous fait hors taxe 930 000 euros. On est plus élevé que le premier projet qui était à 700 et quelques mille euros la première fois. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle qu'on en a discuté, on va en discuter ce soir, on a dit qu'on serait intéressé par un bâtiment passif. Voilà, c'est un peu l'objet du débat aujourd'hui. Alors, et encore une fois, finalement, aujourd'hui, le débat, il porte pas, on n'est pas obligé de choisir passif ou pas passif, mais il faut quand même proposer aux financeurs un dossier conséquent pour qu'ils se positionnent. Voilà, et si on ne met pas dans le projet d'un bâtiment passif, on ne l'aura jamais. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas après qu'ils reviendront sur les finances. Voilà. Donc, on en est là. Ça augmente un petit peu l'enveloppe. Quand on détaille un peu ce document, vous avez deux documents. Alors, vous avez celui qui est... on va prendre le plus gros, là. Celui qui est avec un bandeau jaune au début, là, vous le voyez, création d'un pôle de santé. Vous l'avez lu ? J'ai pas entendu Magali. Mais oui, c'est passionnant. Oui. Mais d'un côté, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut quand même un petit peu qu'on ait des arguments. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on a fait deux réunions, et à ces réunions avec les architectes, était venue une personne qu'on pourrait qualifier de, comment on pourrait appeler ça, de sa spécialité de ce monsieur, ça devrait être les énergies, pas les énergies, les fluides, enfin voilà, une économie de flux, je ne sais pas. Gestion des flux ou des fluides. Bon, en tout cas, il nous a un peu convaincus sur l'idée qu'il fallait, qu'est-ce qu'il fallait faire si on voulait un bâtiment passif. Du coup, il nous propose quelques matériaux. Alors, il nous avait invités à aller visiter un cabinet médical qu'ils ont fait à Saint-Montant dans la vallée du Rhône. On y est allé à 4 l'autre jour. Il y avait Eric, il y avait Johan et Thierry. Nous sommes partis en escouade. Et nous avons donc regardé ce bâtiment. Il y a la mairie aussi, en même temps, qui a été faite. Et donc, on a été, enfin, après, les collègues pourront intervenir, hein, on a été assez impressionnés par ce bâtiment. Il faisait pas très chaud ce matin-là. Et sans chauffage, ils avaient plus de 20 degrés, c'est ça ? 22 degrés. Voilà. Alors, il faut voir, l'isolation, on va en parler, mais c'est vrai que les fenêtres triple vitrage, je crois que j'avais jamais vu de ma vie. Enfin, j'ai constaté que c'est quand même des matériaux très précis. Alors, on avait amené Eric, parce qu'Eric, il est un peu technicien, quoi, hein, et donc on est allé un peu dans les retranchements sur qu'est-ce que l'isolation, qu'est-ce que l'étanchéité à l'air, tout ça, des choses que je ne maîtrise pas forcément, hein. Et bon, on a bien vu que ce bâtiment, quand même, était quand même au top. Confortable, voilà, très, très confortable. Mais ça a un coût, ça a un coût. Alors, dans ce document, qui est extrêmement rébarbatif, d'accord, j'en conçois, mais c'est, je le conçois, phase APS. Donc, vous avez dans ce document un petit peu des documents qui sont obligés de produire, parce que je vous rappelle que
À ce jour, pour déposer un permis de construire, on est soumis à la RE 2020. Ça s'appelle la réglementation, le E énergique, énergétique, c'est ça ? Oui, avant c'était la RT, et maintenant c'est la RE. Donc 2020, depuis juillet de l'année dernière. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut respecter des clauses bien précises de matériaux, de tous les fluides. Enfin, et c'est pour ça que c'est décrit comme ça dans ce document. Voilà. Donc, je vous passe les choix techniques, tout ça. On a beaucoup insisté sur la ventilation, la VMC double flux, hein, c'est ce que nous avons à sa défaite. Je vous signale en ce moment à l'arrière du bâtiment qui a été rajouté. Et puis, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on voulait un bâtiment économe. Bon, alors un bâtiment économe, nous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire si on n'est pas très technicien, mais moi, je vais vous renvoyer simplement à la fin du document, si on passe un peu tout ça, les choix environnementaux, les objectifs énergétiques, je continue, les thématiques de l'eau, tout ce qu'on peut imaginer. Moi, il y a un tableau alors, c'est pas ce document. Je continue. Donc, vous avez les fenêtres double vitrage, vous continuez. Vous avez ce fameux matériau qui s'appelle de l'isotex. L'isotex, ça a l'air d'être... c'est un matériau qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il est prêt... c'est comme une brique dans laquelle on injecte un petit peu de béton dans une partie. Mais vu l'épaisseur d'isolant, c'est quelque chose qui... Voilà. On aurait pu imaginer le Ciporex, par exemple, je crois. Il avait dit que le Ciporex était un bon matériau isolant, hein, il avait dit. Mais bon, celui-là paraît quand même... peut-être cher, mais en tout cas très efficace et très facile à monter. Voilà. Donc, je vous passe un peu le détail. Donc, ça serait une maison passive, en fait. Ouais, voilà. Après, dans les dernières pages, il y a une approche photovoltaïque. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut que le toit soit capable d'accueillir du photovoltaïque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on nous garantisse la solidité de la charpente, puisque quand on parle du photovoltaïque, il faut impérativement que la charpente soit adaptée. Voilà, on reviendra sur les solutions d'autoconsommation, parce que j'ai fait une réunion hier matin là, et je trouvais une approche assez intéressante. En tout cas, aux deux dernières pages, vous avez un comparatif. Et je crois que là, sur cette page-là, où il y a marqué « approche économie d'énergie et coût », c'est là qu'on voit la différence. Parce qu'on nous demande finalement 75 000 euros de plus, finalement, d'accord ? Quand on le voit dans le tableau, là, 75 000 euros, bon, c'est qu'une hypothèse. Quand vous comparez RE 2020, le petit tableau, vous le voyez sur l'avant-dernière page, vous arrivez, en termes d'énergie, à un coût d'énergie de 5,39 par mètre carré. Voilà, ça c'est RE 2020. Vous y êtes sur ce tableau, c'est celui-là, hein, à l'avant-dernière page. Hein. Voilà, donc là, vous arrivez sur ce tableau, RE 2020, besoin par bâtiment, vous avez besoin de 5,39 euros par mètre carré. Ça c'est la RE 2020, c'est-à-dire que si on respecte ça, on est obligé de respecter, c'est ça. Par contre, si on fait du passif... Autrement dit, qu'est-ce que c'est du passif ? Ça veut dire un chauffage, une ventilation double flux, une hyper-isolation, une étanchéité à l'air totale, et du total en fait, et du double vitrage, tout ce que vous pouvez imaginer, etc. etc. Vous tombez à 2,49 au mètre carré. Voilà. Donc ça veut dire que vous en faites un bâtiment qui coûte au mètre carré deux fois moins cher. Voilà, c'est ce que je retiens. Hein. Après, moi, le détail, j'avoue que si vous me posez des questions en me disant « mais qu'est-ce que ça veut dire le truc, machin, truc, bidule ben, », je ne peux pas vous en dire plus. Mais bon, ça m'alerte un peu. Alors, on a discuté, Julien n'est pas là parce qu'il est malade. Donc, voilà. Hein, donc, moi, j'en ai discuté un peu au téléphone. Il trouvait que ça augmentait un peu trop le prix et il se disait « est-ce qu'on va pouvoir supporter cette dépense ?» Puis, est-ce que les financeurs vont suivre un projet de presque 1 million d'euros ? Voilà, je lui dis, ben, pourquoi pas ?
parce qu'il y a des fonds un peu particuliers, il y a le fonds vert maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont créé des fonds un peu particuliers. Donc, après, la question de nos financeurs, c'est que, en gros, si on n'a pas 80%, ça voudrait dire que si un financeur ne répond pas favorablement à ce projet, ça veut dire que l'offre de santé sur Saint-Paul, ça ne les intéresse pas. C'est tout. Ce n'est pas le prix, parce que nous, on est une petite commune, mais enfin, la région, le département et l'État, dans des communes plus importantes, ils dépensent des sommes nettement supérieures à ce que nos projets à nous. Quoi. Quand vous prenez des villes, je ne cite pas Meurobenin Priva, quand ils font des projets, je pense que les subventions qu'ils ont, il y a des zéros de plus par rapport à nous. Quoi. Donc, pourquoi on ne ferait pas un bâtiment passif? Voilà, qui serait un peu à la pointe de... Moi, ça m'embête un peu de produire, enfin, si on y arrive, hein, de fabriquer un bâtiment dans lequel nos successeurs ou nos descendants auront à lutter contre un réchauffement climatique avéré, c'est évident, et que finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas le chauffage qui pose problème maintenant, c'est comment on s'arrive à s'isoler du chaud l'été. C'est un peu, il y a 20 ans, c'était même pas imaginable ça. C'était donc on a évolué. Enfin, forcément, on est contraint d'évoluer sur ça et de se dire un bâtiment comme un bâtiment où ils vont faire du kiné, il y a des kinés et des médecins, il faut qu'il soit le plus adapté, le plus confortable possible, quelle que soit la saison, et pas avec des charges monstrueuses. Alors, parce que les charges, qui va les payer? C'est les occupants. Mais d'un autre côté, si les occupants ont des charges qui explosent, je pense qu'ils auront vite fait le choix de dire ben, si c'est trop cher, on ne vient pas, ou on s'en va. Donc, on supporte l'investissement, parce que c'est quand même une maison de santé pluridisciplinaire publique. Voilà. Et puis, c'est l'idée qu'on a de se dire, au fond, proposons des conditions optimales pour tout le monde. Voilà. Je vous ai un peu... Il y a trois documents, mais je vais... m'arrêter pour l'instant, puis vous laisser la parole. C'est un peu l'endroit où on en est, quoi. En fait, c'est en gros, on a un dossier que je vais défendre en disant, ben, prenez le temps de le lire quand même, parce qu'il y a du boulot quand même, je trouve qu'il y a du boulot. Je sens un peu, enfin, les architectes et le bureau d'études qui nous suit, je sens quand même assez investi dans le projet. Et c'est moi qui irai défendre au point des financeurs leur subvention, quoi. Après, s'ils nous disent, ben non, c'est trop cher, ah bon, je dirais, ah bon, c'est trop cher, la santé... n'a pas le prix, ou vous trouvez que le bâtiment est trop cher, mais quand même... parce que, enfin, actuellement, moi, ce qui me fait un peu râler, c'est qu'on fait de la rénovation énergétique des bâtiments. D'accord ? Donc, les vieux bâtiments, on les rénove, on les isole, parce qu'ils ne sont pas... j'ai pas entendu. Voilà, oui. Et donc, on essaye de colmater un petit peu tous ces bâtiments qui sont anciens. On met beaucoup de clim. Il faut se le dire, hein, quand vous voyez les façades des bâtiments, c'est on va dans le mur, hein, je vous le dis. Je vous dis qu'on va dans le mur complet, parce que si tout le monde met sa clim d'été pour se mettre à 20 degrés, je pense qu'on d'abord, je ne sais pas si on aura assez d'énergie pour produire tout ça. Donc, comment envisager, enfin, on lutte donc pour essayer que les bâtiments qui sont actuellement construits aient moins de déperdition de chaleur et moins de différentes températures. Si on construit un bâtiment les mêmes qu'aujourd'hui, ben, on ne se projette pas sur les 30 ans à venir. Quoi. C'est un peu... Alors, bien sûr, ça coûte. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ça coûte. On est évidemment dans un surcoût, mais c'est ce qui est un peu aberrant. Mais d'un autre côté, les matériaux comme ça ne sont pas encore assez vulgarisés et que du coup, c'est, ben, ça a un coût. Voilà. Après, on parlera du photovoltaïque, mais pour l'instant, moi, j'ai fini un petit peu ma présentation. Et je vous laisse la parole, chacun peut parler, peut s'exprimer pour dire un petit peu son point de vue, et puis on votera à la fin, hein, mais c'est pas l'idée, voilà, c'est de votre avis. Mais vas-y, prends le micro. Je pense que Julien, il a besoin d'être rassuré par rapport à l'utilisation, en fait, de l'utilisation énergétique de cette structure passive, parce qu'en fait, il dit que dans le cadre privé, on va respecter scrupuleusement les consignes par rapport à ce bâtiment passif, mais que là, le fait qu'il y ait beaucoup de professionnels et de personnes qui vont utiliser ces locaux, il a peur que ça soit mal utilisé. Et donc, voilà. Donc, peut-être que les contraintes d'utilisation
je pense, sont vraiment... Moi, je m'étais un peu intéressée sur les maisons passives. J'ai l'impression que ce n'est pas des grosses... voilà. Donc, je pense que là, il faudrait rassurer Julien par rapport à ça. Et donc, il me disait qu'au niveau du surcoût, avant qu'on couvre avec des dépenses énergétiques le surcoût occasionné par l'opération, ben, on avait quand même des années devant nous. Mais je pense aussi qu'il y a le volet de refroidissement l'été aussi qu'il faut envisager. Oui. Il n'y a pas juste le chauffage. C'est ça. Et je pense que voilà, je pense que Julien, il a besoin d'être rassuré par rapport à l'utilisation de... Je pense que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Oui, et puis après, il m'avait évoqué en me disant, est-ce que nos financeurs ne vont pas avoir peur d'un projet sur 1 million d'euros, quoi. Alors je lui ai dit, moi, je pense que ce n'est pas leur crainte. C'est où ils y vont ou ils n'y vont pas. C'est-à-dire que où la région dit, ce projet nous intéresse, s'il ne nous intéresse pas, sans la région, on ne fait pas de maison médicale, hein, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Et par rapport à la gestion, un petit peu la domotique par rapport à ça, c'est vrai que Saint-Montant est allé visiter. En fait, ils ont un seul thermostat qui contrôle, général, qui contrôle. Voilà. Après, en retour de ça, si le propriétaire peut avoir une gestion informatique, il peut tout voir ce qui se passe. Hein, voilà, il peut tout voir. Et après, améliorer ses conditions d'utilisation de son matériel. Mais l'usager de base, le locataire, etc., c'est un peu comme ça à des fêtes. J'ai verrouillé tous les boîtiers où il y a des boutons et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Voilà. Et du coup, ce thermostat général, ce serait... C'est le seul point d'utilisation. Alors après, il y a aussi l'idée que c'est vrai que c'est un bâtiment avec une salle d'attente, etc. Donc les portes risquent d'être ouvertes et de perdre de la chaleur. Par exemple, à Saint-Montant, c'est pas une erreur, mais ils n'ont pas pensé que par exemple, dans la salle de la mairie, dans le hall d'accueil de la mairie, il y a du Mistral, c'est Montal, Vallée du Rhône. S'il fait 2 degrés, il fait l'impression d'avoir moins 5. Et la personne qui est à l'accueil, même si son bâtiment est très isolé, donc elle a 20, et il suffit que sa porte s'ouvre et qu'elle ne soit pas fermée immédiatement, elle perd sa température. Donc ça veut dire que dans l'organisation de la salle d'attente, etc., il ne faut pas laisser les portes ouvertes. Donc c'est un système automatisé pour que les portes ne restent pas ouvertes. Voilà. Voilà, ils vont faire un sas. Voilà. Jean-Luc voulait intervenir. Je voudrais simplement avoir une lecture très claire du document. Oui. À la fin de ce que tu nous dis là, oui. entre le passif et le classique, oui. La différence de consommation énergétique, elle est de combien ? Au mètre carré, de la moitié. Oui, mais sur une année, ça fait combien en consommation énergétique ? Je ne sais pas. On sait pas ? Je ne sais pas. C'est quoi les chiffres 23 000 euros là, qu'on a en total ? Alors, moi, je pense que, tu sais, le besoin par bâtiment, là, sur le total de besoin de chauffage, donc 20, c'est estimé, mettons, à 23 000. C'est 23 000 euros par an. Oui. Dans le classique. Oui. Et de l'autre côté, on a 10 000 euros. C'est ça. Dans le passif. Donc, ça fait un delta de 13 000 euros. Oui. Le surcoût. Si je reprends le document qu'on a dans la projection, c'est 73 000 euros. Oui. Le bâtiment, il est amorti sur 20 ans. Oui. Donc 73 000 divisé par 20, ça fait combien ? Je ne sais pas. Mais parce qu'à un moment, il faut juste faire des calculs. Hein. 3 650, d'accord. Donc on a une économie de 12 000 par an avec un surcoût de 3 650. Sachant que là, il ne parle que de besoin. Et on parle que du chauffage. Oui. Oui, d'accord, oui, c'est pour ça qu'il y a ce tableau, tu as raison, c'est ça. On est d'accord. Donc c'est, finalement, ça... On y gagnerait de l'argent chaque année, oui. c'est l'évidence, quand bien même. Allez, soyons fous, on tombe que sur des branquignoles qui laissent les trucs ouverts, etc. Même la moitié, on y gagne encore. Oui, c'est pour ça que je trouvais ce tableau intéressant sur les dernières pages, parce que le prix, après tu as le coût au mètre carré... Ça le divise par deux, quoi, en fait, finalement. Alors après, effectivement, après, ça dépend de l'utilisation. Après, on peut faire aussi autre chose, c'est-à-dire prévoir peut-être que si dans une convention avec des personnels, enfin avec des gens dont on va louer les locaux, on pourrait dire qu'on fait une facturation qui tiendra compte d'une charge énergétique provisionnelle qui serait régularisée en fin d'année, comme on fait pour d'autres habitants. Quoi. Oui, parce que là, effectivement, le modèle de location est à inventer parce que
Après, il faudra réfléchir à ça, parce que s'il y a trois médecins qui partagent le même espace et sur les charges, etc., donc c'est effectivement, il faudra bien le réfléchir. Après, je Après, reviendrai. une Oui, fois de vas-y, plus, Marie. là on parle, et enfin, je sais, j'ai pas étudié la projection en détail, mais est-ce qu'on tient compte de l'augmentation du coût de l'énergie sur la période? Est-ce qu'on tient compte de l'augmentation du coût de la vie sur la période? Je pense que là on est en plus sur des calculs à minima, quoi. C'est parce Oui, que je ne pense pas qu'ils soient amusés à faire des calculs mathématiques aussi complexes. moi tu as Mais raison, je pense très que c'est à vite. l'instant T, quoi. Tu as raison. D'autres remarques? Qui veut intervenir? Pas de remarques. Alors, je voudrais vous parler quand même du. Alors, ça veut dire que sur un projet comme ça, si on part sur la base de 80% de subvention, imaginons qu'on n'ait que 70, mais enfin, en tout cas 80, le delta, pour l'instant, on n'a pas parlé loyer. D'accord? Tout ça, c'est à définir après avec les usagers, c'est normal. Et puis, il ne faut pas non plus. L'idée, c'est que nos médecins et nos kinés restent et qu'ils ne partent pas parce qu'on a fait des loyers exorbitants. Donc, il faut trouver un compromis entre tout ça. Mais il faut penser quand même que, après, si on arrive avec. Si on sort ce bâtiment de terre, donc du coup, le médecin se déplace devant. Les locaux qui sont laissés de l'autre côté. Ça fait deux locaux indépendants, hein, c'était l'ancien tennis et le cabinet. Ça peut être des locaux commerciaux ou ça peut être quelque chose qui peut avoir un petit rapport. Et n'oubliez pas qu'il faudra isoler l'escalier qui monte à l'étage puisqu'on gardera l'appartement en dessus, puisque c'était pour favoriser l'installation de médecins, etc. Donc ça veut dire que, moi je ne parle pas encore de loyer, parce que, mais à un moment donné, je pense que nos dépenses de. Notre fonctionne nos investissements propres par rapport à ben, peut-être que nos loyers couvriront une bonne partie de. Enfin, voilà, il me semble que après c'est à travailler parce qu'il faut pas annoncer des chiffres comme ça parce qu'après on pourrait nous dire c'est trop cher, on vient pas, etc. On n'en sait rien pour l'instant parce que justement si les charges locatives de dépenses énergétiques sont assez maîtrisées et basses, ben, dans un loyer ça joue, hein. Ça joue quand même. Hein. À certains endroits, justement, des fois, les médecins s'en vont parce que les charges communes explosent. Voilà. Alors, je voulais revenir avant qu'on passe au vote ou si vous avez d'autres questions. Il y avait la partie photovoltaïque, là. Vous voyez, c'est les dernières parties. Alors, c'était toujours le même document, c'était ce qui était en bleu. Alors, il parle d'autoconsommation totale, d'autoconsommation et vente de surplus et de la vente totale. Ça, c'est théorique. Hein, c'est théorique, c'est-à-dire, en gros, il faut que l'architecte nous prévoie la possibilité de mettre du photovoltaïque sur le toit. Voilà, ça, c'est évident. Mais c'est peut-être, je pense que dans le projet n'est pas chiffrée la mise en place du photovoltaïque. Alors, ce matin, j'ai rencontré une association citoyenne. Alors, nous, sur le territoire, on a une association qui s'appelle, sur les vents, c'est comment ça s'appelle, enfin, qui est siège social sur symbole, là. Le collectif donc, de la transition sur symbole, qui est en lien avec l'association Orange Énergie, qui fait des centrales photovoltaïques villageoises. Et puis, il y en a une en Bourg-Montrobie qui fait pareil. Et je les ai rencontrés ce matin et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas encore saisi. Parce que on a de l'argent, on a un peu d'argent, donc on investit, on paye le matériel qu'on met sur le toit, d'accord? En gros, une installation actuellement, on est un particulier, on veut mettre du photovoltaïque sur son toit, on fait venir une entreprise, bon, allez, on va dégager, je dis 4 kilowatts, etc. Ça va coûter, mettons, 15 000 euros. 15 000 euros. Vous calculez ce que vous allez économiser. Alors, soit vous faites de l'autoconsommation, mais comme on ne peut pas tout autoconsommer parce que ça ne suffit pas, on va dire que ça fait 30% de vos dépenses énergétiques sur l'année. Donc, vous économisez un petit peu, et puis ces 15 000 euros, soit vous faites un crédit, donc vous arrivez à compenser tout ça, etc. Ou alors vous faites de la revente totale à un fournisseur d'énergie. Voilà. Mais ça, c'est le modèle de base. Ça veut dire que la commune peut faire pareil. Elle dit, je prends un installateur. Je vais dépenser 50 000 euros pour faire mon installation, et puis je vais budgétiser au fur et à mesure, et je vais avancer pour savoir si je revends, etc., etc. Il existe d'autres modèles.
les centrales villageoises, c'est un autre modèle que je n'ai pas bien saisi, c'est-à-dire que on loue ses toits. Non, mais c'était pas pareil. On loue ses toits à une SIC, qui est un regroupement d'habitants ou de particuliers, dans lequel la mairie peut prendre des parts. Ce qui est intéressant, c'est d'acheter des parts et de faire partie de cette société civile, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, je ne sais plus ce que ça veut dire, SIC. Bon, en tout cas, on prend des parts. Donc, alors, ça veut dire que on ne fait pas d'investissement. On ne fait pas d'investissement. Zéro investissement. On loue nos toits. Dans ces cas-là, dans une centrale villageoise, louer les toits, c'est peanuts. C'est-à-dire que, en gros, pour que ça fonctionne, vous allez louer vos toits, par exemple, je dirais la salle des fêtes, vous allez louer ça 100 euros par an. D'accord ? 100 euros par an. C'est pas cher, c'est pas beaucoup. Mais n'oubliez pas que c'est eux qui ont supporté tous les investissements, donc vous avez zéro investissement. Voilà, société coopérative d'intérêt collectif. Donc, du coup, ce modèle-là, ils vous font l'installation et après, ils peuvent vous revendre l'énergie à un prix défiant toute concurrence. Voilà. Et donc, ce modèle-là, pour l'instant, il faut qu'on le creuse un petit peu. Hein. Actuellement, le kilowatt, quand vous l'achetez en fournisseur d'énergie, c'est 24 centimes le kilowatt. D'accord ? Donc, si vous le produisez vous-même par la centrale et qu'on vous le revend, vous allez l'avoir à 14 centimes. Voilà. Donc, ça veut dire que en prêtant ces toits pour une somme modique, vous pouvez récupérer des kilowatts à une somme, un prix. Voilà. Et puis, surtout, ce prix est fixé sur une vingtaine d'années. Or, qu'on sait que le prix du kilowatt vendu actuellement 24 centimes par les fournisseurs, je pense que dans 20 ans, il ne sera plus à 24 centimes le kilowatt. Donc, ça veut dire que là, on ne peut pas choisir. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on installera comme photovoltaïque sur le toit, parce que le modèle est à étudier, quoi. Je veux dire, on ne peut pas décider aujourd'hui de ça, ce n'est pas le problème. Et puis, de toute façon, dans le projet, il n'est pas chiffré en tant que tel. Et moi, je vous propose qu'on aura la même réflexion sur le toit de repère. Parce que le repère, c'est un toit plat. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens, je pense que Repair n'a pas les moyens d'investir 50 000 euros pour faire du photovoltaïque, mais par contre, sous le système de centrale villageoise, elle peut prêter son toit, ça y rapporte pas beaucoup, mais l'électricité qu'on produira pour les communs de Repair qui nous plombe un petit peu la trésorerie, ça vaut le coup de faire la boucle comme ça. Mais bon, il faut qu'on ait vraiment des réunions avec les centrales villageoises pour qu'on comprenne le déroulé, parce que les choses sont très complexes. Parce qu'après, on peut faire de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'on produit un endroit et on peut vendre à un prix plus bas que 24 centimes à notre organisme, par exemple. Si on produit, je ne dis pas, sur la nouvelle maison de santé, on peut très bien vendre de l'énergie à 17 centimes le kilowatt pour la mairie de Saint-Paul. Voilà. Donc tout ça, en fait, il faut vraiment le concevoir. Ce n'est pas l'objet de ce document-là, mais ils ont insisté quand même pour le mettre avec une approche photovoltaïque. Ça veut dire que le toit doit être capable de supporter du photovoltaïque. Voilà. Actuellement, ce n'est pas possible de construire quelque chose, un bâtiment public, sans que ça soit d'entrée fait. Voilà. Donc, c'est un gros... Je pense qu'on fera des réunions avec des centrales villageoises, avec le collectif, pour savoir comment la commune pourrait prendre des parts et savoir quel intérêt serait pour nous, c'est pas au prix du kilowatt, parce que c'est revendre son énergie totalement à un fournisseur d'énergie actuellement, c'est plus le bon modèle. Voilà. Il faut en garder pour soi ou alors le revendre à notre consommation collective. Voilà, j'ai une aparté sur le photovoltaïque, mais bon, à réfléchir. Bon, alors, est-ce que vous avez d'autres remarques sur le dossier ou pas ? La délibération, elle va prendre cette forme-là, parce qu'en fait, en gros, je vous résume ce que m'a préparé Madame Latapie comme délibération. Donc,
Donc, voilà. Donc, pour mener à bien ce projet, la commune fait appel au syndicat du SDEA en tant que maître d'ouvrage, c'est Madame Attapi. Le coût de cette opération communale d'aménagement est estimé à 930 000 euros hors taxe, c'est ce qui était marqué. Pour le financement de ce projet d'investissement, la municipalité souhaite bénéficier de toutes les subventions possibles, et notamment du concours de l'État, de la région Rhône-Alpes et du département de l'Ardèche. Voilà, il est précisé qu'il sera fait usage de l'application des clauses sociales dans les marchés de travaux et que, dans la mesure du possible, le bois utilisé dans ces aménagements sera local, voire d'objet de certification à l'appui de cahiers des charges des financeurs. Voilà. On va voter. Donc, rappelez-vous qu'il y a des procurations. Alors, donc, oui, ah, mais bien sûr. Oui. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, une abstention et donc tout le reste vote pour. Donc, ça veut dire que ça nous fait 13 pour et une abstention, c'est ça ? OK. Parfait. On passe au point suivant. Donc, c'était délibération concernant la désignation d'un coordonnateur communal. Donc, le conseil municipal, donc, je vous rappelle que nous faisons le recensement, enfin, c'est obligatoire, hein, au mois de janvier. Et donc, pour faire ces opérations, il faut qu'il y ait un coordonnateur communal qui peut être soit un employé communal, soit un élu. Bon, je vous en avais parlé la dernière fois, mais en fait, on n'a pas délibéré. Donc, ça serait bien qu'on délibère pour que je puisse désigner, si vous êtes d'accord, Joanne, comme coordonnateur communal. Bien sûr, sans rémunération, sans rien. Hein. C'est du travail bénévole. Hein. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on va soumettre au vote, comme ça on est bien dans les clous, hein, parce que c'est moi qui fais l'arrêté, mais il y a marqué quand même après délibération du conseil municipal, donc il vaut autant qu'on délibère. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, il me faut votre autorisation concernant le recrutement de 3 agents recenseurs. Pourquoi ? Parce que, en gros, sur la commune, nous avons... à peu près de logements, on doit en avoir 1900 et quelques, divisé par 3, ça fait 380. Il faut à peu près un agent recenseur pour 200 et quelques, 250, voilà, pour 300. Donc, il en faut 3. Donc, il vous faudra cette autorisation. Et en même temps, il faut parler rémunération. Voilà. Il faut savoir que c'est une opération dans laquelle ça coûte toujours la commune. Voilà, il faut se le dire. C'est-à-dire qu'il nous donne une subvention, je vous la donne, ne tombez pas de votre chaise, il nous donne 2146 euros pour organiser ce recensement. C'est en deçà de ce que nous pourrons, nous aurons un delta. Pourquoi nous allons avoir un delta ? Parce qu'en fait, il y a quatre semaines de collecte. On peut considérer qu'ils vont faire 35 heures et ils ne les font pas forcément... sur le temps ouvrable, parce qu'ils sont obligés de passer le soir, parce que des fois, les gens, ils ne sont pas là dans la journée, donc ils vont repasser, etc., etc. Et le week-end, donc on ne va pas payer des heures sup le week-end, etc. C'est le forfait de 4 semaines. Et la semaine avant, ils ont des jours de formation aussi, donc il faut qu'ils se déplacent, qu'ils aillent se former. Donc ça fait 5 semaines. Mais comme il y a les congés payés qu'il faut compter dans ces contrats, parce que c'est des contrats à durée déterminée, nous, ce qu'on voulait vous proposer, parce que l'expérience prouve qu'on peut faire comme ça, mais après, c'est vous qui décidez, on pensait engager ces 3 personnes. Alors, c'est moi qui les nomme, donc ce n'est pas le conseil, mais c'est comme ça. En tout cas, engager ces 3 personnes pour 6 semaines au SMIG. J'ose pas vous calculer le delta, j'ose pas vous calculer le delta par rapport à la rémunération, à la somme qu'on nous donne. Hein. Voilà. Mais de toute façon, après, bon, dans les communes, ils mettent une différence. Mais enfin, il faut quand même que je vous le dise. Quand même. C'est parce que la subvention ne couvre pas. Donc, du coup, on était parti sur 6 semaines. Ça veut dire que dans les 6 semaines, ben, entre le premier jour où ils commencent et la fin, il y aura les congés payés là-dedans. Parce qu'il faut... Et puis, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de frais de déplacement quand ils iront se former. On considère que voilà, il y a 2 ou 3 jours de plus par rapport au temps passé. Voilà. Après, ils sont plus ou moins rapides. Ça, c'est sûr. Chacun dépend un peu de... On verra à l'usage ce que ça donne. Peut-être que les prochains qui feront le recensement dans quelques années, ils réduiront la voilure parce que
on ne sait pas trop l'évolution que ça prend par rapport au questionnaire Internet. Vous savez qu'avant, c'était tout papier. Donc, vous passiez une première fois, vous dites bonjour, je me présente, je vous donne un questionnaire, je peux passer quand le récupérer. Bon, ça, c'était le classique de base, etc. Le dernier recensement qu'on a fait en 2018, ça commençait à venir, le fait que les gens disent non, mais vous ne repassez pas, je saisirai mon questionnaire moi-même chez moi. Bon, ça, c'est tout à fait possible. Hein. Mais donc, on ne sait pas l'évolution de la population et l'évolution technologique des gens sur le fait des populations plus jeunes, hein, puisque les gens sont majeurs depuis, voilà, depuis le recensement, il y a des gens qui sont passés dans la tranche plus jeune et qui sont locataires ou propriétaires. Donc, il peut se faire qu'ils aient moins à repasser la deuxième fois pour récupérer les questionnaires, puisqu'on les verra arriver directement sur la plateforme. Mais bon, on navigue un peu à vue. Donc, on proposait ça. Maintenant, si on peut en débattre, si vous pensez que c'est trop, qu'on peut réduire à 5 semaines de 6, moi, je vous suivrai. Hein, c'est pas... Parce que... Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, les dates officielles, c'est... vas-y. Oui. Et une autre le 11 janvier. Et entre deux, il faut qu'ils fassent le tour. Tournée de repérage. Ils font déjà une première tournée. Oui, Johan, tu n'as pas le micro. Oui. Ah, si, il faut. Alors, il faut. Je disais donc qu'ils avaient une première demi-journée de formation le 2 janvier. Et après le 11 janvier de mémoire. Je dois l'avoir noté là quelque part. Les papiers de. Oui, le 11 janvier. Et donc, deux demi-journées de 9h à midi à la Blachère. Et entre ces deux jours-là, elles doivent faire le tour de Saint-Paul, le tour de leur secteur, puisqu'il y a trois districts. Elles doivent faire le tour et repérer chaque adresse et mettre un papier dans chaque. Avant de vraiment faire la collecte qui commence le 18 janvier. Oui. Du 18 janvier au 17 février. Oui. Donc, hein, oui. Ça. Une petite question, mais peut-être stupide. Hein. Déjà, pourquoi 6 au lieu de 5, effectivement ? Parce que de toute façon, à la limite, tu auras des dépassements et ça permet de pousser la roue. Deuxièmement, on ne peut pas bénéficier de prise en charge de ces formations dans le cadre de la formation professionnelle, parce que c'est non. Les salariés. Non, c'est l'INSEE qui le fait. Non, c'est l'INSEE qui le fait. Non, en fait, ils sont recrutés. Tu sais bien les salariés. Ils seront salariés pendant le. Ils seront dans une formation. Oui, pendant deux jours de formation. Et oui. Donc, il n'y a pas un organisme qui prend en charge une partie de notre plan de formation. Non, là, en fait, c'est l'agent de l'INSEE qui vient sur place et qui fait la formation. Il regroupe plusieurs en direct. Oui, donc ça ne s'appelle pas une formation. Non. Non, on va dire qu'ils sont, je sais pas comment, non, c'est pas une formation qualifiante, ça c'est sûr. Mais bon, donc en fait, donc il y a deux jours de formation, puis donc reconnaissance dans le secteur, donc il faut qu'ils se prennent sur le secteur, puis après, officiellement, pendant un mois, ils font la collecte. Voilà. Donc, on a pensé que les 6 semaines, c'était tout compris. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Je vous propose de voter sur ces 6 semaines. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au point suivant. Le point suivant, c'est... Donc, décision modificative budgétaire. Donc, c'est deux opérations simples. De quoi? Ben oui, c'est pas... C'est... Non, 6, il n'y a pas, c'est le 6, non ? 6, c'est délibération concernant la décision. Ah, bon, pardon. Voilà, d'accord. Alors, concernant le budget de l'eau, alors là, c'est simplement, on nous demande d'éteindre une créance, voilà, concernant quelqu'un qu'on ne retrouve pas, et de lequel le percepteur nous demande donc d'abandonner la créance qui s'élève à 1865 euros. C'est une opération qui date de, je ne vous dis pas le nom, mais ni le lieu. C'est quelqu'un qui est parti il y a très longtemps et qui, en fait, a une créance d'eau de 1865 euros. Et donc, le percepteur nous demande d'éteindre cette créance. Parce qu'il est
insolvable et introuvable. Voilà, donc nous n'avons pas beaucoup le choix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie à l'unanimité. Et ensuite, donc la deuxième délibération concernant la décision modificative, c'était que donc ça, on la rajoute celle-là. En fait, dans le fonctionnement, il y a une ligne qui s'appelle titre annulé, et ça permet à l'agent comptable de pouvoir annuler des titres parce qu'on fait une erreur, etc. Et donc dans ce titre-là, les dépenses égales les recettes. Donc on avait mis que 7 000 euros dans les titres annulés. Il nous faudrait monter cette somme à 13 000 euros. Voilà. Mais donc c'est simplement une écriture, hein, c'est pas. Voilà. Mais donc on est obligé de passer, c'est ce qu'on appelle une décision modificative, ça ne change pas le budget, c'est simplement la possibilité d'annuler plus que ce qu'on avait prévu, 7 000 et passer à 13 000. Voilà, qui est contre ? Jean-Luc ? Je vais faire mon Julien pour une fois. Mais comment on peut avoir des dettes pareilles et qui soient jamais récupérées, enfin, moi, j'ai bossé dans les payes, on avait des aviateurs détenteurs partout, y compris dans la flotte. Et là, je vois, chaque année, on se retrouve avec des gamins pas possibles. Et semble-t-il, sans moyen vraiment de faire en sorte que le percepteur fasse son boulot, quoi. Enfin, excusez-moi de le dire, mais il y a un moment où... j'espère que le nouveau est mieux que l'ancien, mais je dois avouer que quand on voit les assiettes sur lesquelles on s'assoit... Là, franchement, c'est de l'argent perdu, quoi. Je sais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'était sous le nom d'une entreprise. Et donc, le bordereau de situation de l'entreprise, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs, ainsi que l'extrait du jugement. Donc, en fait, ça, ça a été fait rapide. Ça a été la décision date du 13/12/2022. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Mais ça, je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'exemple à ne pas suivre, quoi. Je suis d'accord. Bon, donc on revient sur la décision sur le fonctionnement, parce qu'on n'a pas voté, sur les titres annulés, on passe à 13 000 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention ? Je remercie. Et qui est pour le reste ? Merci. Alors ensuite, nous avons délibération concernant le transport scolaire. Alors oui, ça se décale. Alors sur les transports scolaires, je vous rappelle que sur les transports scolaires, donc sans nommer les personnes, étant donné que nous sommes un regroupement pédagogique, donc nous remboursons une somme de 90 euros par enfant pour l'année scolaire. Donc, c'est sur demande des familles. Si les gens ne le demandent pas, nous ne remboursons pas. Donc, cette année, nous nous retrouvons donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 familles à 90 euros. Donc, ça fait 990 euros. Donc, on l'a prévu au budget. Hein. C'est-à-dire, ce sont des enfants de Saint-Paul, en gros, qui montent à Vannes. Et comme on est un regroupement pédagogique... on avait souhaité, c'était une décision qui a été prise, on pourra toujours revenir dessus, mais en tout cas, on avait décidé de prendre en charge cette dépense qui n'est pas de leur fait. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, je voulais vous faire un point sur les travaux du frigolet. Donc, pour ceux qui sont montés au frigolet ou ceux qui ne sont pas montés, c'était si vous avez l'occasion de vous promener, vous allez vous promener dans le centre du vieux village du frigolet et les travaux d'eau sont terminés. Voilà. Donc, ces travaux s'élevaient à 98 542,50 euros hors taxes. Voilà, presque 100 000 euros, mais nous avons été aidés à 80%, 40% par le département et 40% par l'agence de l'eau, ce qui fait que c'est un bon dossier ça veut dire un achat de 20 000 euros. Et les travaux ont été faits. Qu'est-ce que tu rigoles, Jean-Luc ? Oui. Alors, justement, on espère qu'il n'y aura pas de repreneurs, mais en tout cas, nous avons un réseau.
Nickel. Et on a retrouvé avec M. Dabrowski, si un jour vous prenez, il y a une ancienne fontaine à eau, vous savez, avec l'empoignée qui tourne, qui est devant son entrée, là. Et elle avait été déplacée en 1936. Il a mis une petite étiquette. Donc ça veut dire que les travaux de réseau d'eau sont datés dans ce hameau de 1936. Voilà. Donc il était temps de le rénover pour ne pas laisser un réseau en mauvais état dans un quartier qui est un peu chic. Aïe, là je vais me faire tuer. Et en tout cas, on a essayé de. On n'a pas pu faire le tout à l'égout ou l'assainissement parce que c'était un dossier. Insurmontable financièrement et que trop compliqué pour à la fois financier mais pour régler le problème individuel parce que vu la position de la rue centrale on n'arrivait pas à résoudre tous les problèmes donc voilà mais en tout cas le réseau d'eau il est en super état ouais. Merci Jean-Luc voilà ça c'était pour l'eau sur la fibre vous avez vu qu'il y a des travaux qui se passent sur la commune donc des nouveaux poteaux hein, vous savez qui les poteaux, je donne mon avis et puis je ne peux pas dire je ne veux pas de poteaux à tel endroit parce que c'est des contraintes techniques dans lesquelles les tensions sur les fils sont telles que des fois il faut mettre un poteau de plus. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc on fait avec. On a eu deux soucis. Une première fois, il y a eu une perforation d'une colonne d'eau chez un particulier avec la tarière. Ça arrive parce que c'était peut-être mal positionné. Et puis ensuite. Une coupure d'électricité importante dans un quartier des Rousses, parce qu'il y avait un câble qui n'était pas repéré et qui n'a pas eu d'incident. Nous en sommes très heureux. Voilà, on a eu chaud. Et voilà, donc ça avance. Il y a eu aussi de l'élagage qui a été fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le long des câbles de téléphoniques futurs et actuels. Donc il y a eu une opération d'élagage chez les particuliers en bordure des routes. Voilà, donc au frais de la société de ADN. Voilà, donc on avance et lorsqu'on aura fini, on pense qu'en fin 2025, les fournisseurs d'accès commenceront à vous téléphoner pour vous proposer des abonnements numériques. Mais pour l'instant, si quelqu'un vous propose ça, c'est bien trop tôt. Voilà pour le numérique. Et puis je crois que j'ai fini, et je crois que j'ai aussi la délibération de Magali qui veut nous dire un petit mot sur les arbres que nous ne couperons pas. Alors. Alors, en fait, c'est chaque année, on met un certain nombre de nos parcelles en vente pour que le bois soit coupé, pas dans son intégralité, mais enfin, c'est pas des coupes rases, hein, c'est géré, c'est l'ONF qui gère ça. Et donc là, notre gestionnaire ONF. Nous propose une délibération parce qu'en fait, il y a deux parcelles qu'on avait prévu de couper, qu'on avait mis à la vente. Et en fait, par rapport au fait qu'on ne peut pas sortir les bois sur un certain tonnage par les routes, et ben en fait, c'est du bois qui, s'il est vendu et coupé, va être vendu, coupé et va rester sur place, sur pied. Parce que d'une manière légale, sur les routes départementales pour l'instant, on n'a pas le droit de passer avec les tonnages que ça va demander. Donc, il m'a appelé en me disant il faudrait enlever ces deux parcelles de la vente, pour 2023 en tout cas, et voir si elles seront remises plus tard. Parce que, en fait, pour l'instant, tant qu'on ne peut pas sortir les bois avec des tonnages ou des dérogations possibles, ça ne sert à rien de couper du bois, quoi, en fait. D'accord. Donc, tu veux qu'on délibère pour dire qu'on retire de la vente les deux parcelles ? C'est ça, et que en fait, elle soit remise en vente, proposée à ce qu'on appelle l'état d'assiette, donc on l'enlève de l'état d'assiette 2024, et que on les remette pour quand le problème sera réglé, en fait. D'accord. Donc on prend une délibération pour retirer de la vente ces deux parcelles. C'est la 212 et la 213. Okay. Bon, des questions ? Alors, on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, on les retirera. Voilà, je crois que j'ai fini. Je voulais donner quelques informations, puis après, je vous laisserai la parole. Donc, je vous rappelle que le repas des anciens a lieu le mercredi 6 décembre.
que le marché de Noël a lieu le dimanche 2 décembre. 2 décembre. Non, 3. Oui, c'est un dimanche. Et que nous ferons les vœux de la municipalité le premier dimanche, le 6 janvier. Non, le premier samedi. Ça y est, je commence à me tromper. Ça y est, le samedi. Samedi, le samedi, on y arrivera. C'est le 6 janvier à 18h. Retenez dans votre agenda. Voilà pour les informations très précises. Donc, dans les informations diverses, on peut rappeler que demain, il y a une conférence sur les plantes médicinales, que nous mettons en place des soirées cinéma le vendredi soir pour l'instant, qu'il y a la compagnie des affamés avec le spectacle Cabos le 18 décembre, et qu'il y a beaucoup d'activités à la médiathèque, et que, notamment dans le cadre du festival des contes éclatés qui ont lieu l'été, il y a eu des répercussions sur des activités qui se déroulent sur d'autres moments de l'année. Voilà. Et donc, moi, je tenais à souligner l'investissement d'Aurélie, qui, on, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'elle avait un service à la fois d'accueil et qui s'investit beaucoup, et que je lui ai dit qu'elle ne devait pas dépasser son temps imparti et pas prendre sur son temps personnel pour aller faire des animations, même si des fois, le samedi après-midi, elle est là. En tout cas, voilà, je sens qu'il y a une dynamique autour de la médiathèque et je vous invite à vous y rendre et à participer aux activités. Une précision sur deux subventions qui sont arrivées. Je vous rappelle que l'année dernière, enfin cette année, on avait demandé au conseil départemental de nous aider pour refaire la route des moulins qui part des cinq chemins, vous savez, qui monte un peu raide et qui est très abîmée. Donc, ils nous ont donné une subvention de 6 452 euros. Donc, ça veut dire que ces travaux, je vous rappelle qu'on les met toujours au budget, mais en fait, ça se décale au fur et à mesure. Donc, ça se fera partie des travaux 2024. On ne va pas faire ça maintenant. Et du coup, en janvier-février, on redemandera des subventions pour une autre route qu'il faudra qu'on définisse, parce qu'en fait, il y a toujours à peu près 10 mois de différence entre les deux. Donc ça, vous voyez, on l'a demandé en 2023, on le fera en 2024. En 2024, on demandera pour 2025. Donc si vous pouvez réfléchir de votre côté, si vous trouvez qu'un tronçon de route assez conséquent, parce qu'on n'a droit qu'à un dossier par an, conséquent sur la commune, vous trouvez qu'il est très abîmé, vous me le dites et on fait un chiffrage pour le budget 2024 qui sera fait en 2025. En fait, chaque fois, ça se décale. Et on a eu une subvention du département de 34 776 euros qu'on avait déposé cette année pour la traversée de Saint-Paul dans le cadre de la Voie Douce. Vous vous rappelez que la communauté de communes, elle, nous fait derrière les Ardèche Habitat, tout ça, etc. Et la partie sur le quai, on a une subvention de 34 000 pour l'instant du conseil départemental. Ben oui, t'entends ça. Et, mais ça sera budget 2024, hein, ça ne sera pas maintenant. Voilà. Mais après, voilà. Et pas plus que ça. Maintenant, je vous laisse la parole si vous voulez donner des précisions, des choses à dire qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui. Jean-Luc a des trucs à dire. Alors, on va finir peut-être notre tour de table. Puis après, s'il y a des questions du public, est-ce que... tu peux dire un mot, c'est naturel de me dire, si tu prends les formes pour le dire. Oui, donc tout à l'heure, je vous parlais de l'ONF et donc de nos forêts. Mais on est en zone aussi, en partie en zone Natura 2000. Et là, moi, je voudrais apporter tout mon soutien à Anaïs et Tanguy, qui sont nos deux animateurs Natura 2000, qui sont donc sur la communauté de communes. Ils nous ont beaucoup aidés pour avoir des financements pour des travaux... par exemple, nos îlots de sénescence. Anaïs avait beaucoup travaillé aussi, puisque c'est elle qui s'occupe du Natura 2000 plus que Tanguy sur notre secteur. Sur le débardage aussi Pour le débardage, tout ça, oui, tout ce pôle-là. Donc, elle nous aidait beaucoup. Il y a plein de travaux finançables aussi là qui arrivent pour 2024-2025 dont nous parle l'ONF, mais des dossiers qui, étant donné qu'il n'y a plus nos animateurs Natura 2000, vont peut-être pas aboutir, en fait, tout simplement parce que l'ONF n'a pas le temps et pas toujours non plus forcément. Ils ont plein de compétences, mais ils n'ont pas forcément non plus celles-là. Et ce qui est dommage, c'est que Natura 2000, c'est une structure qui doit absolument, de par la loi, un endroit Natura 2000 doit absolument avoir une structure animatrice,
mais paradoxalement pas forcément d'animateurs. Donc en gros, les animateurs qu'on avait là, qui s'occupaient vraiment sur le terrain de faire vivre tout ça et qui avaient vraiment un travail avec des résultats, une dynamique, des choses qui vraiment se voient sur le secteur, sur le pain de Salzmann, il y a eu un travail énorme de fait par Anaïs pour dynamiser sa reprise, pour faire attention à ce qu'il ne s'hybride pas, qu'on ait une nature intéressante. Et puis, c'est quand même, pour l'ONF, c'est important aussi d'avoir des arbres un peu exceptionnels. Et comme là, on n'aura peut-être plus d'animateurs, parce qu'ils vont peut-être être repris par le parc naturel régional, mais ce n'est pas sûr. Ils vont candidater à des postes, mais ils ne sont pas du tout sûrs. Enfin, je vous laisse imaginer dans quelle situation ils sont actuellement, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils se sont fait virer parce que M. Vauquier à la région a décidé de ne pas redemander de subvention pour Natura 2000. Et donc, du coup, il y a toujours une structure animatrice, mais on n'a plus d'argent pour les animateurs. Donc, si le PNR les reprend, on ne sait pas où ils vont aller travailler. On sait pas. En gros, ils sont dans le brouillard et dans le flou total, alors qu'eux, ils connaissaient vraiment chacun sur leur territoire l'endroit, mais sur le bout des ongles, ils ont fait du travail mais absolument incroyable. Et là, en gros, ils se retrouvent devant un précipice et à ne pas savoir où est-ce qu'ils vont aller. Et encore, je le redis, avec un travail qui était vraiment exemplaire et qui vraiment était très utile, avec des résultats qui entraînaient des sacrées dynamiques, qui nous permettaient à nous d'avoir des financements en tant que mairie pour des choses très intéressantes. Et là, on est dans le vide, quoi. Voilà. Comme eux, mais avec le fait que eux, c'est un peu leur vie quand même qui joue là. Et voilà. Et voilà, moi, je voulais leur apporter tout mon soutien parce que c'est pas du tout facile. Et nous, de là où on est, on n'a aucun levier pour les aider, quoi. Voilà. Donc, je suis obligé de quand même préciser certaines choses, Magali, parce qu'il y a des choses qu'il faut que je reprenne quand même. Jusqu'à ce jour, ces deux personnes étaient embauchées par la communauté de communes, puisque c'est nous qui gérions Natura 2000 et les espaces naturels sensibles à la communauté de communes. Pourquoi nous avions ces postes-là ? Parce que nous avions des subventions via la région, de l'État. C'est parce que c'est l'État qui présente ces Natura 2000. Donc, il y a eu un transfert de compétences de cette compétence Natura 2000 de l'État à la région. Et la région, donc, a pris une décision de dire que ces Natura 2000 étaient délégués au Parc national des Monts d'Ardèche. Donc c'est le Parc national des Monts d'Ardèche qui va gérer Natura 2000. Donc nous, les postes à la communauté de communes, qui étaient financés par ces subventions, ne sont plus dirigés vers la communauté de communes. Donc la communauté de communes ne peut pas garder ces postes-là, puisqu'ils ne sont plus, c'est plus de leur compétence. Donc voilà, on ne peut pas financer, puisqu'on n'a pas de finances. Donc du coup, effectivement, ce qui est vrai dans ce qu'a dit, enfin, ce qui est vrai, elle n'a pas dit de bêtises, hein, Magali, mais ce qui est exact, c'est qu'en fait, leur poste qu'ils avaient à la communauté de communes doit être visiblement, sûrement fermé. Et du coup, donc, ils pourront postuler au Parc national des Monts d'Ardèche sur ce type de poste de Natura 2000, mais ce n'est pas un transfert de leur poste directement. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de transfert, il faut qu'ils postulent pour ces postes. Et après, le redéploiement de la mission de Natura 2000 sur le territoire relèvera du parc, puisque le parc ne va pas laisser tomber ces zones Natura 2000, parce qu'elles sont inscrites, elles ne disparaissent pas. Mais ça sera un autre type de fonctionnement qu'on ne connaît pas à ce jour. Voilà, je vous remercie pour ça. D'autres interventions autour de la table ? Pas d'autres interventions. Bien, est-ce que Jean-Luc, nous avons des questions du public ? Alors on y va. Si elles sont acceptables et entendables dans un conseil municipal, oui. Si elles ne sont pas entendables, non. Hein ? Oui, vas-y. Dans une première question sur les recrutements d'agents recenseurs, oui. Quand est-ce qu'ils seront recrutés, auprès qui il faut se
déposer les candidatures. Mais on avait fait un appel à candidature la dernière fois au conseil municipal. On avait fait un appel à candidature. Oui, et donc voilà. Donc, Ils sont recrutés ou pas? Ils sont recrutés. Okay. Enfin, ils sont pas recrutés. Ils peuvent pas être recrutés. Ils sont pressentis puisqu'on les a rencontrés. Et puis, si j'ai pas d'autorisation, je peux pas les recruter. Donc voilà. Et après, c'est moi qui recrute directement sous forme d'arrêté. Et j'ai une deuxième question qui est, quand aurez-vous le budget pour les lagages des platanes de la place de la gare? Je ne laguerai pas les platanes de la gare. Donc, mais par contre, ce qui est prévu, c'est d'élaguer les platanes qui partent du Crédit Agricole et qui vont jusqu'au pont, phase 1, phase 2, donc il y en a 7 de platanes. Cela, le bon de commande est signé. On a décalé de 15 jours parce qu'on trouvait que les platanes avaient les feuilles encore trop, il y avait trop de sève dans les branches. Donc, l'élagueur nous a conseillé de retarder. Donc, ça sera la première semaine de décembre ou la deuxième pour les 7 premiers platanes qui sont au niveau du tennis parce qu'ils ont une forme qui est à retravailler. Donc, ils vont être reformés. Et l'année prochaine, on fera de l'autre côté du pont parce qu'ils n'ont en fait jamais été taillés. Mais ceux de la place, je ne les touche pas en fait. D'accord. Ça me fait penser à une remarque. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on ne l'a dit jamais. Dis-moi. Dans certaines manifestations, on voit des gens qui mettent des clous dans les platanes. Ah oui. Or, ça, c'est. Enfin, je pense que Magali pourrait intervenir mieux que moi sur les effets qu'ont ce type de matériaux dans les platanes, en tout cas dans leur. Dans leur impossibilité d'embellissement, ça c'est sûr, ça ne s'arrange pas. Oui, oui, oui. Donc il est conseillé. Souvent, on voit maintenant des gens qui entourent leur affiche avec du film plastique, ils font le tour de l'arbre. Voilà, c'est une bonne solution. Et en plus, ça le protège de la pluie s'il pleut. Mais il ne faut surtout plus mettre des punaises et des agrafes dans les platanes. Parce que des clous. Des clous, oui, n'en parlons pas. Voilà, donc voilà, c'est les platanes, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Luc, ou pas? Non. Non. Joanne, tu voulais dire quelque chose? Oui. J'ai oublié de donner rendez-vous. Ça marche? Oui. J'ai oublié de dire que j'allais donner rendez-vous le vendredi 8 décembre. Tu invites toute la population à un repas? À toute la population. Non. Je serai avec l'association Revivre au point info pendant le marché, hein, le vendredi. Et j'attends les personnes d'un certain âge venir me dire et dire à l'association Revivre ce qu'elles ont envie de faire en 2024, si elles ont des idées pour si elles ont envie de faire des voyages ou des je ne sais pas, enfin venir. Qu'est-ce qu'elles attendent d'un CCAS et l'association Revivre va venir nous aider à mettre des choses en place. Et on sera aussi le mardi suivant, c'est-à-dire le 12. Là, ça sera l'après-midi. Vous savez que l'après-midi, à Repère, il y a le... C'est pas une association, mais c'est les personnes qui se rencontrent. Si, c'est la DASP, en fait, qui fait jouer aux cartes les personnes de Repère et puis des autres. Donc, on viendra là aussi avec Repère, avec Revivre, l'association Revivre, pour vous rencontrer. Voilà. Donc, ça sera le 8. Le 8 décembre. Et le 12. Et le 12. D'accord. Merci. Donc, j'ai pris rendez-vous, donc j'irai. L'après-midi pour le mardi et le matin pour le vendredi 8. J'y serai. Pendant le marché, au point info. D'accord. Merci. Merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Nous clôturons le conseil municipal à 21h.